Salut à tous et à tous, ici Zubergan et CPSA et on se retrouve pour l'épisode numéro 7 ou 8, je ne sais plus, de Mario Kart Double Dash. Dash devant, hein, voilà. Donc, aujourd'hui, le 150cc avec en aléatoire Luigi et bébé Mario. Pourquoi pas. Alors, quel véhicule prendre? Bon, pour moyen, ils ont pas vraiment des véhicules rapides. Donc, ce sera la coupe étoile seulement aujourd'hui. L'épisode sera très court. Je ferai pas la coupe spéciale. La coupe spéciale, ce sera pour le prochain épisode. Et on débloquera le mode miroir. Oula. C'est un peu de mal, là. Un peu de mal pour pas grand chose. Alors, Non, on est. Mario est avec Diddy Kong et Bébé Luigi est avec Donkey Kong. Bon, bah, ça commence de la pire des façons, on va dire. Ah bah déjà le champ. Alors attendez. Ah si. Ah, là ça va un petit peu mieux. Ah bah. D'accord. Je me suis fait avoir par mon propre champ, c'est propre. Ouf. Ah, je fais que la merde. Alors là, ce début de course, c'est... Oh, ok. Le mec est cinquième. Première idée du truc, c'est d'attaquer celui qui est derrière. Ah bah ok. Putain, mais... Le 150, alors cette course commence de la meilleure des façons. What? Waouh, je vais finir dernier. Mais what, la chance que j'ai, c'est un truc de dingue, vraiment. Je me prends une random verte, voilà. Et je suis dernier. Incroyable, ça. Tiens, le premier manche, ça. Alors, rattraper les premiers là, ça va pas être facile du tout. C'était un très mauvais début de course. Ok, j'avais les. Mais. Encore une bleue, ok. Voilà, bah, j'ai essayé de ralentir, de tourner, mais ça n'a pas voulu. Tout simplement. Ok, super, dans le champignon, super, la chance du gars. Mais non, mais fais pas ça, la meuf elle est cinquième. Son but premier c'est de pourrir celui qui est derrière. Mais c'est n'importe quoi. Pouah, allez, laisse tomber. En fait non, c'est même pas la peine, laisse tomber. On recommence direct. C'est... Le jeu a ramé. Non, pas du 50. Le jeu a ramé. Ah non, c'est une possibilité. Putain, mais... Bon, on va faire plaisir au jeu. Voilà, on va prendre Luigi. Le jeu veut que j'ai Luigi ou Wario. Ah, écoute, on va prendre... Sauf que... On va prendre Luigi et Bowser Junior. Mourez! Ah
Et j'ai volé son spécial. Ça, c'est un truc qui a disparu dans les Mario Kart, c'est quand tu voles l'item du premier. On l'a vu dans mon dos. Bon bah pas et... Merci de t'être pris le truc. Salut. T'as la missile. Je l'avais dit que je prendrais un jour Luigi. Bah. On est revenu. Oula! Le saut de banane, un sport national depuis. Depuis 1985. Là, j'arrive pas à déraper, c'est un désastre. Oh, nia. Je sais plus ce que s'appelle le même où Luigi fait te lance un regard de tueur. J'ai plus le nom de la du truc. Ouf, voilà frame. C'était à la frame. Poussez-vous les masques. Ok, ils sont en train de me pousser à des kilomètres, des bordels là. Propre. Mais c'est les mascas, ils étaient en mode Gandalf, vous ne passerez pas. Et voilà, comment se faire baiser à cause d'un mascas. Je vise et je tire à côté. Ah non, je l'ai eu. Alors je crois que les boules de feu auront mon 10, mais je suis pas sûr. Mais le dérapage ne fonctionne plus. Il balance tout derrière. Ah bah voilà. Ah. Freine ta putain de carcasse sur la ligne d'arrivée. Donc quand même qu'il y a eu un effort. Hein. Oula, le mascasse il a volé. Il y a quand même eu une belle modification entre... ce sur Wii sur Wii U. Hein. Là on le voit. Hein. C'est très quand même le polygone. Hein. On le sent le polygone. Mais ça c'est un truc qui a disparu, c'est les temps. Je sais pas pourquoi, mais ils ont enlevé les temps dans, ça dans Mario Kart DS, ça commence par là. Je crois que c'est là où ils ont enlevé les temps. Moi je trouve ça marrant hein, de savoir combien t'avais d'avance sur le deuxième, le troisième, tout ça. En fait ils auraient dû faire pas avec les points mais un petit peu comme les courses de cyclisme en fait. Tu vois, tu comptes les temps à l'arrivée. Jusque combien, jusqu'où je vais pouvoir garder mon dérapage. Ah bah je l'ai fait durer assez longtemps. Hein. Oh, j'ai cru que c'était une fausse case, mais non. Une fausse boîte. Mais non, c'est pas possible. C'est le premier tour. Une bombe. Ah bah oui, j'ai dû jeter une carapace rouge. Ah, une carapace sur la bombe. Alors ce niveau, il est assez hard à faire en... Ouais, des fois ça le fait, des fois ça le fait pas. Attention, poussée d'adrénaline. J'ai dû toucher une de ces bombes. Bon, la banane. On sait jamais. Ça peut toucher un... Ça peut toucher un connard.
Oui, j'ai réussi à appuyer sur le bouton de dérapage, d'être sur le bouton de dérapage tout en étant tout en switchant de perso. J'avoue que c'est pas facile à faire, hein, comme pratique. Et... Bon, on passe à côté, ça c'est la base. Ça va, on a une petite avance respectable. Moi, ouais, des fois ça veut, des fois ça veut pas. Ça, c'est ma banane, hein, je la reconnais. Il n'y a que moi pour placer des bananes aussi bizarrement bizarre. Conservation des objets, même si je devrais plutôt conserver l'objet de. Yeah. Et ben vous. Oui, pour avoir sa carapace blindée. J'ai même plus le nom de la carapace. C'est dans le livret du jeu, de toute façon. Ne dépasserai jamais, bande de rageux. Voilà, c'était dans le doute. Et je m'envole dans ma vie. Je m'envole vers la victoire. Ça veut pas. Et qui c'est qui a un tour d'avance? C'est moi. Pas dans ce jeu, c'est quand. Ah, j'ai voulu sniper la. J'ai voulu sniper le. La bombe, mais non. Pour que ça fasse une explosion. Bah, dès que t'as deux objets, et dès que t'es premier, tu conserves les objets, tu les gardes en premier, puis pouf. Tu boucles les mecs. Tu dérapes comme un boss, gosse, et puis voilà. Voilà, deux victoires. Bon, si j'ai les 40 points en 150, ce serait une victoire. Hein. Parce que les avoir, pas si facile que ça. Déjà troisième course. Ah bah j'ai réussi. Piffant, hein. Tuez-vous les grands. Reste dans mon sillage. Reste dans mon sillage. Attention, putain, il m'a pris mon. Optimisation des trajectoires. Nye. Nye. Rajoutons ça dans l'équation. Pas du tout. Ok. Moi je crois qu'elle allait rebondir contre les parterres de fleurs, mais en fait non. Ok, déçu. Meurs. Bonjour les piranhas. C'est quoi déjà le dernier niveau de. Du niveau étoile? Je sais plus. Ça va être la surprise, on va arriver. Je sais plus. Bonne question. On passe à travers les cadeaux. Tout ça pour me ralentir. De toute façon, je leur ai mis deux longueurs, c'est pas assez bâtard. Il n'y a aucune optimisation. Oula. Je vais me faire croquignoler. Yeah.
tendu avec la banane. Toi, t'aurais un pro si tu vivais en France. T'as pas le droit de conduire avec quelque chose dans les mains. On va voir, il faut que t'aies toute ton attention et que t'aies tes deux mains disponibles. Cette banane sur 20. Mais jamais, si je dois, s'il y a un connard qui jette une carapace rouge et qui me fait fumer. On sait qu'on doit se faire fumer. Ouf. J'y crois. Ouais, parce que bon. Tant que je la vois arriver. Oh, je suis passé à côté. Ouais, c'est un peu dur hein, par moment. C'est selon la trajectoire. Ok. Ah bah c'est pris le mur. Et voilà. Ça c'est mes vieux réflexes que je commence à avoir. Puis le son, bah il est soutenable hein, pour une fois. Je suis à 75% de son, du son là. De propreté du son. Ah, ils mettent aussi hein, le son. Là, il a 70, il est dans les 70, c'est bien. Bon, bah, j'ai gagné de toute façon. Voilà que je me mange une carapace bleue que je me suis pas mangé, étonnamment. Pour le moment, je m'en suis pas mangé. Souvent, quand tu perds dans ce jeu, c'est que tu te prends une carapace bleue à 10 mètres devant la ligne d'arrivée. C'est généralement comme ça que tu perds. Hein. Parce que c'est l'item que tu peux pas vraiment contrer hein, dans Mario Kart. C'est vraiment à part avoir un champignon, il l'utilisait mais au pile poil à la au bon moment, tu peux pas. Tu peux pas l'esquiver. Donc on a combien de temps de vidéo? 17. Ah, c'est la montagne donc. Ah bah oui. Je sais pas pourquoi, je me souvenais plus. Bref. Quatrième tour. Hein. Bon, j'avais réussi une fois, je n'assurerai pas une deuxième fois. Hein. Ouf! Ah, le dodge! Oh! Ah, il est magnifique! J'ai volé! Ah, je me suis fait victimiser. Alors j'ai pas d'objet. J'ai pas d'objet. Et je suis dernier. C'est propre ou c'est pas propre? Vous connaissez pas les trajectoires, bande de sac? Moi je croyais les connaître, puis je me suis pris le mur. Bon, j'ai gagné deux places. Alors là, en 150, toi tu vas te manger le rocher, c'est cramé. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, bah oui, ça va être des carapaces vertes que je vais rattraper les deux gars qui sont à côté. Je vise et je tire. Toi ta gueule. Et Bibi Mai, allez hop. Attends. Ah ils sont fusionnés les gars. Et là il tombe, il meurt. Très propre, la fin d'un héros. Luigi un héros solitaire, ou pas trop, pas très solitaire au final. Ils sont là-bas les deux gars. Est-ce que... Ok. T'en passes un, t'as le deuxième qui arrive tout de suite. Putain, je me mange tous leurs items à la con. Ils sont juste derrière les deux bougs. Il y en a un qui va se manger.
Putain, je les ai rattrapés. Putain, je peux, j'ai pas d'accélération. Oula, oula, oula. Je vise et je tire. Ou pas. Alors là, ça c'est un pont. Putain, il va plus vite que la carte. Alors ça, c'est traître à mort. Alors comme j'ai meilleure accélération que lui. Ah oui, mais il y a Bowser qui était derrière. Ça va suer tout. On va suer tous les droits là. Je suis premier au canon. Bon, les quatre les trois premiers sont dans un mouchoir de poche. Le quatrième n'est pas loin. Le cinquième est un petit peu plus loin. Le quatrième a encore une chance. Mais bon, c'est un bot. Le spécial. Mourez. J'ai eu personne. Le champi. Non, je l'aurai pas. Est-ce que je vais faire un perfect? Je doute. Non. On peut toujours espérer. Merde. Ah bah voilà. Qu'est-ce que je disais? Une carapace bleue. Ah bah, ah, dodge. Ah, ok. On m'explique pourquoi je vais à 11 à l'heure là. M'expliquer pourquoi je joue. Hey, ma petite banane, je compte sur toi. Oula, alors là faut viser, entre les deux. Oh là 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 là. J'ai été dodge par l'éclair. En colloque, c'est que en gros je me suis pris le truc dans la gueule, mais j'ai pas subi l'effet de l'éclair parce que les effets ne s'accumulent pas. En gros, t'as un titan d'immunité pendant que tu t'es pris un coup. Là, je me suis pris la carapace bleue, ça m'a, comme je l'ai dit, dodge. Et j'ai gagné 6 secondes d'avance, hein, quand même. À peu près 6 secondes. Entre 6... Entre 4 et... Entre 5 et 6 secondes. Et ben voilà, le perfect. Rosemine des prix. Bah c'est parfait, ça. On a gagné. On est le meilleur. On peut l'avouer haut et fort, nous sommes meilleurs que l'IA. Voilà, alors le bug, comme quoi Bowser Jr. n'a pas de bande song. 8 minutes et 39 minutes et 38 secondes. Pour un perfect. Alors je crois que je gagne le quart de Diddy Kong là, hein. Je suis pas sûr. Vous avez gagné une un trophée en or sur la coupe d'or. Ouais. Le loco Tomo qui est le tonneau qui est le quart de Diddy Kong. Bon bah les gens, on va s'arrêter là. On est à 23 minutes de vidéo. On a fait la coupe étoile. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On va se retrouver bientôt pour la coupe spéciale 150. Et après on débloquera le miroir. Et après le miroir, c'est la coupe All-Star, je crois. Je sais plus, la coupe All-Star où t'as toutes les courses d'un coup, les 16 courses du jeu. Les 16 courses, bah non, on peut pas de 16, il y en a 5. Non, c'est les 20 courses du jeu d'affilée. Et on le fera ça, bien évidemment, en 150 et en miroir. Voilà. Parce que le 50 et le 100, bon, je pense que vous avez compris un moment, ça va durer 10 ans pour pas grand chose. Bref, c'était super canin, je vous dis à bientôt pour l'épisode, je ne sais pas combien, de Mario Kart Double Dash, où on fera la course spéciale 150 CC. Bref, c'était super canin, à vous les studios.